Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer, enfin, je vais te partager quelques stratégies qui vont te permettre d'augmenter le nombre de vues sur tes vidéos YouTube. Alors, alors, la première, elle est simple, bien évidemment. C'est qu'il faut que tu mettes, euh, faut que tu mettes un titre un petit peu ce qu'on dit putaclic. C'est-à-dire que c'est du copywriting. Il faut vraiment que tu mettes des titres accrocheurs qui donnent envie aux gens de cliquer et idéalement aussi avec quelques mots-clés en rapport avec le contenu de ta vidéo. Ensuite, dans ta vidéo, tu sais YouTube propose des sous-titres automatiques. Moi ce que je te conseille, c'est pas faire les sous-titres automatiques, c'est de rédiger les sous-titres toi-même et ensuite de les ajouter sur YouTube. Il y aura, ce sera des bons sous-titres, il n'y aura pas de faute de français, euh, parce qu'en tout automatique, souvent, bah, surtout quand les gens comme moi parlent vite, l'algorithme il a du mal à comprendre et c'est super mal sous-titré. Ensuite, ce que je t'invite à faire aussi, c'est de, de dire aux gens, pour faire monter en fait si tu veux tes vidéos, c'est simple, il faut que quand tu publies ta vidéo, aies un maximum de gens qui s'abonnent à ta chaîne, qui laissent un pouce bleu et qui laissent un commentaire. Donc en fait, pour laisser un commentaire, moi ce que je te conseille, c'est un truc tout bête, c'est de dire aux gens que s'ils te laissent un commentaire avec un lien vers un de leurs réseaux sociaux, sinon tu n'auras pas leur les retrouver, tu leur offres un cadeau. Une formation, un livre, un échantillon de tes produits, euh, ce que tu veux. Euh, plus vite tu auras de commentaires, de likes et d'abonnements par rapport au jour où tu as publié ta vidéo, plus vite elle pourra même monter en tendance et donc avoir beaucoup plus de vues. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de transcrire ou de faire transcrire tout le contenu de ta vidéo en texte et tu mets ça en description sous tes appels à l'action si tu veux vendre des produits, emmener les gens vers un truc payant ou autre. Transcrire totalement la vidéo. Et ensuite, c'est mettre un maximum de tags, donc de mots-clés, en rapport avec ta vidéo. Toujours commencer par mettre les tags les plus importants par rapport au contenu de ta vidéo et, et descendre, voilà, crescendo comme ça si tu veux euh, les tags les moins importants. Ne pas hésiter si c'est en rapport avec ta vidéo à mettre le nom de quelqu'un de connu, un YouTuber connu. Euh, si le sujet, par exemple, si demain tu parles d'immobilier, tu vas pouvoir citer, euh, mettre en tag Olivier Seban, Christopher Vangen, des gens connus comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Toujours finir aussi par mettre dans les mots-clés le nom de ton site et ton nom et ton prénom. Comme ça, quand les gens vont rechercher ton nom et ton prénom dans Google ou sur YouTube, certaines vidéos, enfin, les vidéos que tu as publiées où tu as mis les tags de ton nom vont remonter. Euh... Et puis, euh, puis bah, n'hésite pas tout simplement si tu veux. Dès que tu, moi, je te conseille, c'est que dès que tu publies une vidéo, tu en fais un email, tu contactes ta communauté, tu partages sur tes réseaux sociaux, etc. Bien entendu, ça va, euh, ça va contribuer à faire monter ta vidéo. Et trouver des petits moyens pour dire aux gens voilà, de partager ta vidéo YouTube, par exemple sur Facebook ou sur un autre canal. Voilà, j'en ai fini avec ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire comme d'habitude Si tu veux me faire plaisir et m'aider à faire monter les vidéos justement, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, me lâcher un gros pouce bleu et dis-moi ce que tu penses de cette technique en commentaire. Je te dis à très vite, ciao